dernière partie de mon podcast J'aime Rodez avec Christophe Chailloux, chef cuisinier du Café Brasse. Alors nous retournons au Café Brasse avec Christophe, car il a un menu à préparer quand même, mais il prendra le temps de nous parler entre autres de Rodez. Avec tous ces bons produits du marché, j'ai envie de cuisiner, Christophe. Est-ce que c'est possible de le faire avec vous et ici au Café Brasse? Alors, là aussi, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'au début du projet, avant de tenir le Café Brasse, moi, j'étais professeur de cuisine dans un lycée hôtelier. Et j'avais dit à Michel et à Sébastien Brasse, j'aimerais bien qu'au sein du Café Brasse, on se prévoit déjà un petit lieu où on pourrait faire des cours de cuisine. Et donc, c'est le lieu où on est. D'accord. Et donc, on a mis en place comme une cuisine à la maison. Donc, c'est les mêmes outils qu'à la maison. Et là, je reçois... la fréquence, c'est l'hiver, sur la période donc, hivernale. On reçoit les gens une fois par semaine. Et c'est des groupes de 8. Donc, l'idée, c'est des petits groupes. Ouais, c'est soit le mercredi, soit le vendredi. Ça va dépendre le programme, comment il est monté. Et après, je fais des thèmes. Par exemple, hier, on a fait un thème. C'est thème sorti des fêtes, c'est-à-dire autour de la céréale et légumineuse. Voilà, on fait 1, 2, 3 recettes. Dans un premier temps, c'est beaucoup sur l'échange. Après, moi, je veux que ça reste convivial. Donc, c'est vraiment chacun prend son couteau, son tablier et on y va. Et si je veux venir donc, à un cours de cuisine, je le fais comment? En vous appelant? Alors, le cours de cuisine, il faut aller sur le site internet. D'accord. Donc, on peut s'inscrire. Ou alors, sinon, on appelle. Maintenant, je ne vous cache pas, on prépare à chaque fois le programme en juin. Il faut être assez rapide pour s'inscrire. Parce que, ça part tout de suite. Ouais. D'accord. Oui. Christophe, j'aimerais savoir quel est le mot que vous répétez le plus dans une journée. J'en répète un que je mets dans tous les sens. Je dis tous les jours, le détail, soigner le détail. Et là, on va être en vacances et je vais l'écrire dans la cuisine. Je vais faire venir un peintre et on va écrire en haut de la cuisine. Le détail, soigner le détail. Le détail pour Christophe, c'est bien choisir d'abord ses produits, ses producteurs, les personnes avec qui il va travailler. Parfois, c'est même eux, comme il nous l'expliquait, qui vont définir ou pas un menu. C'est aussi soigner la cuisson des aliments. Ça, c'est très important. Selon si on a une cuisson douce ou une cuisson rapide, l'effet ne sera pas le même sur l'aliment. C'est aussi faire le choix d'une équipe à la bonne place, où chacun a le bon geste. En fait, Christophe, c'est celui qui observe en permanence. Il est un petit peu pointilleux, mais ben voilà, c'est un chef cuisinier. Christophe, si je vous dis « j'aime Rodez », pouvez-vous me dire pourquoi vous aimez Rodez? Alors, moi, j'aime Rodez parce que c'est une ville à taille humaine, parce que c'est une ville où il fait bon vivre, et puis surtout, c'est parce que c'est une ville d'art et de culture. Moi, j'aime beaucoup déambuler au sein du musée Soulages, mais j'aime beaucoup aller dans le vieux Rodez, me promener sur les différentes places. C'est très, très agréable. Et puis, cette ville a vraiment un atout. C'est qu'elle nous permet, vu sa situation, elle nous permet de circuiter dans tout le département. Au-delà de Rodez, en une journée, ben un jour vous êtes sur l'Aubrac, un jour vous êtes à Millau, un jour vous vous retrouvez à Conques. Et ça, c'est très très chouette. Vous vous basez à Rodez et après, on peut visiter tout ce département qui est très différent selon où on va et très varié. Et ça, j'aime beaucoup. Vous avez épousé aussi une Aveyronnaise. Oui, ça permet aussi. C'est pour ça que j'aime aussi Rodez, parce que j'ai rencontré une ruthénoise. Et toi, dis donc, Pascal, pourquoi tu aimes Rodez alors? Alors, d'abord parce que je suis Aveyronnaise, mais pas que. J'aime Rodez parce que, effectivement, c'est une ville de taille moyenne. On n'est pas loin de Toulouse, on n'est pas loin de Montpellier, mais il fait bon vivre à Rodez. Et ce que j'aime, c'est j'ai la chance d'habiter dans le centre-ville et j'aime aller en ville, comme on dit en Aveyron, je crois, aller en ville, déambuler. Il y a un centre-ville qui est très agréable, des faire boutiques, du shopping, faire du shopping, tout à fait. Et voilà, c'est une ville où on fait, bon vivre, ouais. Où on trouve de tout. Et puis, au niveau aussi culinaire, on est très bien achalandé, on a un beau marché. Merci Pascal et Christophe de m'avoir accueilli dans votre restaurant, enfin dans votre café plus exactement, Brasse. Merci pour m'avoir raconté votre histoire, qui n'est pas tout à fait celle des autres, votre amour des produits.
votre amour des producteurs aussi, et puis votre amour pour Rodez. Merci beaucoup. On aime Rodez. On aime Rodez. Nous avons été ravis de vous accueillir. C'est la fin de mon podcast « J'aime Rodez ». Alors, ce qui m'a plu, c'est d'être dans les coulisses du Café Brasse et cette rencontre avec Pascal et Christophe Chaillou, tous deux passionnés de leur métier, mais pas seulement. En fait, ils savourent tout autant leur lieu de vie, qui est Rodez, que leur cuisine. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission « J'aime Rodez », une nouvelle interview sur nos savoir-faire avec un autre regard sur la ville, sur Rodez. D'ici là, dites-nous pourquoi vous aimez Rodez sur la page Facebook de Rodez Tourisme et vous pouvez réécouter ce podcast sur rodez-tourisme.fr. On se quitte maintenant avec le générique de l'émission créé par des musiciens d'ici. Merci à eux, merci à Luc Ossibal. À très bientôt.